Carrefour.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On est à l'heure, les amis. On est à l'heure. Wow. Oh, il y a quelque chose qui merde. Il est 8h. On va doubler votre salaire dans 5 minutes. On va écouter DJ Snake et les infos. C'est maintenant. Actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas mal de grisailles parfois ce matin dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur, mais le soleil va finir par percer et laisser une impression de temps agréable. Un peu plus de douceur au thermomètre avec jusqu'à 18 degrés, 10 actuellement à Menton et Beausoleil. La pluie sera déjà de retour demain, puis à nouveau un temps aux éclaircies pour le week-end et toujours dans la douceur. Des pompes à sec, c'est ce qu'ont pu observer des automobilistes hier dans les Alpes-Maritimes. En cause, l'impossibilité de ravitailler pour les camions avec le mouvement des gilets jaunes. Plusieurs actions ont eu lieu ce mercredi et même si la mobilisation diminue un peu plus chaque jour, il y a toujours des points de blocage à un moment ou l'autre. Samedi, c'est à Paris que doivent se retrouver les manifestants contre la vie chère. Mais ce soir, à Menton, doit se tenir une réunion. Tout le monde est invité à participer pour comprendre la raison du mouvement, mais également décider d'actions ciblées pour les prochains jours en impactant le moins possible les habitants. Samedi dernier dans la cité du Citron, il y avait eu quelques tensions sur des points où la circulation était filtrée. Un œil à vos conditions de circulation ce matin, ça va beaucoup mieux qu'hier, même si évidemment à cette heure-là, c'est chargé vers Monaco à Cap d'Aille. On se bouscule aussi même et encore plus que d'habitude à cause de travaux à la Turbie ou encore sur la moyenne corniche au-dessus de Beausoleil. Et si on prend un peu plus de hauteur, la neige s'est invitée hier dans les Alpes-Maritimes pendant qu'il pleuvait sur le littoral. Les équipements spéciaux sont donc recommandés ce matin pour accéder à Casterino. Deux ans après, le bilan est plutôt encourageant. L'arrivée du paquet neutre semble efficace pour éloigner les ados français de la clope. Le dernier rapport officiel montre une baisse du nombre de fumeurs chez les moins de 18 ans. Seuls 5% d'entre eux ont testé la cigarette à l'heure actuelle contre 25% il y a 3 ans. Une bonne nouvelle, malgré les pressions, le gouvernement s'est engagé hier à ne pas augmenter les frais d'inscription à la fac l'an prochain. On est à 170€ pour une entrée en licence en ce moment. 243 pour un master, très loin derrière l'Italie, les Pays-Bas ou encore les États-Unis où il faut débourser 9 700€ pour des études supérieures publiques. Le sport avec l'Euro féminin de hand qui se déroulera chez nous du 29 novembre au 16 décembre. Les bleus championnes du monde vont tenter de décrocher le titre continental à la maison. Il reste des places dans les villes hautes, dans la plupart à moins de 8€. Si vous avez envie de voir une rencontre à Paris, Brest, Montbéliard, Nancy ou Nantes, vous pouvez vérifier les dispos sur le site officiel de la compétition. Au foot masculin, on est à J-1 de la 14e journée de Ligue 1. Toujours au plus mal en position de relégable. La situation risque bien de ne pas s'arranger pour Monaco ce week-end. Falcao est incertain avant un déplacement à Caen. La presse aura l'occasion d'en parler avec Thierry Henry ce midi à 2 jours de la rencontre, donc samedi. Voilà pour votre actu, les 8h03. Dans 2 minutes, Manu double votre salaire. Très bon début de journée à vous. Bon réveil. Nous sommes le 22 novembre. Bonjour jeudi. Bonjour jeudi. Dans 10 minutes, si vous pensez que votre journée démarre mal, eh ben croyez-moi, vous allez vous dire qu'en fait, elle démarre extrêmement bien. Je vais vous raconter 3 histoires de gens improbables qui font des choses improbables. Ça s'appelle les concours du jour. Et alors attention, là c'est l'heure où les parents emmènent les enfants à l'école. Bah oui. Et vous pouvez vous dire, ah, est-ce que je suis une bonne maman? Ouais. Est-ce que je suis un bon papa? Alors la réponse est clairement oui. D'accord. J'ai les pires parents du monde. Oh là là. Je vous raconte leurs histoires, c'est dans même pas 10 minutes. Avant ça, chose importante, breaking news. Juste avant de doubler votre salaire, la mise à jour de l'application Manu dans le 6-9 est disponible pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a fait une mise à jour hier, et en fait, il y a eu un petit bug dessus où il y avait un problème de lecture sur les podcasts. D'abord, merci pour toutes les insultes. Oui. On en a eu. Disons, sur Internet, quand tu fais une erreur, t'es pendu. Hein. C'est chaud. Vous voyez les westerns quand on pend le mec et on n'est pas sûr qu'il soit coupable? Bah là, c'est pareil. Hein. Je sentais la corde autour du cou, mais heureusement, avant d'être pendu, on a réussi à tout rétablir et on vous a mis une nouvelle mise à jour de l'application. Ils ont travaillé toute la nuit. Hein. C'est fort. Autant vous dire que ça sent pas très bon dans le bureau. On veut pas le savoir, c'est important quand même de le dire. Ouais. Mais du coup, tout est réparé, donc vous pouvez écouter les podcasts sur l'application Manu dans le 6-9. Il n'y a plus de problème. Super. Trop bien.
Ouais. Maintenant, si vous trouvez d'autres bugs, vous pouvez y aller. La corde est toujours autour de mon cou. 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr ou Manu dans le 6-9.com pour vous inscrire. Lise habite Gordes, c'est dans le Vaucluse. Elle touche chaque mois 1 400 euros et elle s'est inscrite sur Énergie.fr. Et elle a eu raison. Lise, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Décroche Allô téléphone. Allô, c'est Lise? Oui. Lise de Gordes dans le Vaucluse? Exactement. Oh, c'est pas ni oui ni non, hein, tu peux dire. Je pense que tu sais, hein. Mais j'espère. Et ça pourrait être qui d'autre? Qui t'appelle à 8h06 le matin? Je sais pas, personne. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu Durand-Larry. Ouais. Comme tu dis, oh là là. Oh, c'est super, merci beaucoup. Je vais doubler ton salaire, Lise. 1 400 euros fois 2, ça va faire 2 800 euros qui arrivent très vite pour toi. Merci beaucoup. Merci. Alors je suis intrigué par toi, Lise. Ah, dis-moi. Alors, je vois ton âge, tu as 19 ans. Oui. Et ton métier, guide au musée de la lavande. Oui. Guide de musée à 19 ans? Oh. Eh oui. Mais, pour, mais tu as déjà fait la vieillesse, tu l'as déjà fait avant, c'est ça? Oh. Ah, mais c'est incroyable comment ça se fait. Bah, c'est comme ça, c'est un métier. Je me doute. Voilà. Mais, C'est original, c'est ça. Voilà, moi, ça me plaît. Ouais, mais tu voulais être guide de musée? Comment on devient guide de musée? C'est une vocation? Tu t'es dit quand t'étais petite, moi je serais policier, moi je serais vétérinaire et toi je serais guide de musée. Non, pas forcément, mais voilà, c'est venu à moi et moi j'ai pris et voilà. Alors, tu guides au musée de la lavande? Oui. Waouh, il y a un musée entier sur la lavande? Oui, exactement. Il est grand? Non, pas trop. Hein? Et il y a autant de choses à voir et à raconter sur la lavande? Mais en fait, c'est surtout sur la distillation de la lavande, parce qu'on en fait de l'huile essentielle. Le truc qui sent bon. Ah, exactement. Ouais. Voilà. Et est-ce que, si je te mets une petite musique de musée, tu nous ferais pas une petite visite virtuelle, là? Mais je peux te dire ce que ça fait d'huile essentielle si tu veux. Nous t'écoutons, nous sommes au musée de la lavande, nous sommes en groupe. Les Wawa, s'il vous plaît, oui, le groupe des Wawa. Vous écoutez, s'il vous plaît, vous écoutez Lise. Lise, bonjour. Vous dites bonjour à Lise. Bonjour Lise. S'il vous plaît, les Wawa, vous restez calme. Je suis désolé, ils sont un petit peu bruyants. Hein, mais ils sortent tous de prison. N'importe quoi. Écoutez Lise, nous sommes au musée de la lavande, écoutez Lise. Alors, il y a une différence entre la lavande fine et le lavandin. La lavande fine est un relaxant, alors que la lavande fine est un excitant. Voilà. La lavande fine, on va s'en servir pour ses vertus médicinales, pour si on a des maux de tête, des piqûres de moustiques, des insomnies, c'est désinfectant, cicatrisant, alors que le lavandin... Les ouin-ouin sont partis. Je me doutais aussi, j'en ai plus personne. Et il y a Glandu qui vient de sortir une corde pour se pendre dans le... Lise, on te double ton salaire, 2 800 euros. Merci beaucoup. Ça arrive très vite pour toi, on t'embrasse fort. Merci beaucoup, gros bisous à vous et merci.